Hello, hello tout le monde, c'est Fruit et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aller découvrir un jeu qui est quand même assez connu mais où j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer avant. Je vais adopter un chat et pas n'importe quel chat car je vais tout simplement adopter Tom. Tom le chat, My Talking Tom, voilà je vais y arriver. Par contre j'ai entendu des trucs, j'ai vu des trucs bizarres par rapport à Tom, genre apparemment des fois il peut avoir des comportements bizarres à la nuit ou je sais pas quoi. Genre je suis tombé sur cette image là et je sais pas, j'étais assez surpris. Du coup il sait pas me dire si c'est vrai, genre est-ce que Tom il peut péter les plombs genre à un moment donné, ou est-ce que c'est du mytho, ou est-ce que c'est une légende, une creepypasta, bref, je sais pas, donc informez-moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais aller découvrir ce jeu-là, nous allons adopter Tom, et j'espère que Tom va être cool avec moi. Ok, quand es-tu né? Eh ben, écoutez, pour ceux qui seraient intéressés de savoir quel âge j'ai, eh ben, faites votre calcul, attention, hop, je mets l'année, à vous de voir, eh ben, quel âge j'ai. Ok, ça commence comme ça, c'est coloré, bonne ambiance, tout ça, ça a l'air pas mal. Ah, mais je crois que Tom, il est dans le carton, justement. Ok, il se fait livrer comme un colis à Chronopost. Ok, salut Tom, j'ai eu un bug là tout à l'heure, j'ai dû relancer le jeu. Salut Tom, comment tu vas mec? Il est mignon en vrai, il a l'air cool et tout de ouf. Attends, n'aie pas peur Tom, c'est moi ton nouveau maître, du coup je serai cool avec toi. Salut Tom, ça va? Tranquillou? Alors on va commencer par peut-être le faire sortir de cette boîte là. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ah, on va le sortir, voilà, hop là! Non, par contre il faut pas se casser la gueule s'il te plaît. Ok, donc voici Tom, notre nouvel ami, notre nouveau chat. Hop, je peux hop là, faire voler Tom comme ça. Wouhou! Et hop là, il fait des pirouettes comme ça là. Ok, apparemment Tom a faim. Très bien, on va nourrir un petit peu cet animal là. What the fuck, c'est quoi ça? Moi je sais Tom et Jerry en fait. On n'est pas prévenu qu'il y avait Jerry, moi je pensais qu'il y avait juste Tom. Ok, donc il va manger une carotte, c'est bien, au moins il mange healthy comme on dit. Voilà, il mange pas gras ce chat. Ok, sa jauge de faim est remplie. Donc je pense que c'est un petit tutoriel pour nous montrer un petit peu comment s'occuper de Tom. Ok, là il a besoin d'aller au shot le Tom. Ok, ok, va pisser mec. Regarde, les shots sont juste là. Hein? Mais quand ça dit qu'il pisse comme un humain, genre pourquoi est-ce qu'il fait pas genre comme les chats normaux là? What the fuck? Par contre, il tire la chasse, au moins c'est bien, il est bien élevé, c'est cool. Ok, Tom, maintenant Tom est fatigué, ok. Tom va aller dormir, Skip. Bah, let's go, on va te mettre dans le pieu là, ici là. Allez, bonne nuit, Tom, regarde. Hop, je t'éteins la lumière. Let's go. Là, c'est le 2, si jamais j'ai oublié de préciser. C'est le Tom 2 là. Ok, bah, on va l'appeler Tom, tout simplement. Voilà, il s'appelle Tom, donc pourquoi changer son nom? J'ai envie de te lire. Ok, il y a Jerry là qui vient faire des dingueries là. Ok, putain, il est arrivé, Tom se fout. Vas-y, chope-le, Tom, chope-le. Ok, je suis niveau 2, j'ai pas fait grand chose, mais je suis déjà passé niveau 2, ça fait plaisir. Ok, attends, c'est quoi ça? On peut voyager? Mais non, arrête. Oh, on a un avion et tout? Mais non, jure! Mec, c'est incroyable! C'est incroyable par contre! Alors, on peut aller se balader comme ça? Oh, trop bien! Il y a plusieurs endroits et tout. Dame le pirate, ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Ok, on a des trucs ici. C'est une récompense peut-être? Ah ah, oui, en effet. Attention, unboxing! Nous avons eu des piments et une pomme. Je vais prendre la pomme si on doit choisir entre les deux. Ok, ensuite nous avons quoi? Des pièces. Magnifique! C'est vraiment des openings, hein. C'est trop bien. 25 étoiles, ok. Allez, je prends. Et la dernière carte, attention, est-ce qu'on a un truc rare? On a une tenue de natation. Très bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, petit unboxing pour bien commencer la vidéo. Je suis content. Attends, je peux passer. Merci. On va essayer quand même son petit maillot. Par contre, bien évidemment, là, on a une armoire. Et là, on peut lui mettre cette magnifique tenue de natation en maillot. Tout simplement. Quoi appeler ça comme ça? Genre, c'est un maillot. On se barre. Ah, je ne t'entends pas. Je dois accéder au microphone pour parler. Ah oui, c'est vrai que du coup, il peut nous parler. Genre, enfin, il entend notre voix et il répète ce qu'on dit. Ok, recevoir. On va recevoir la petite récompense. Ok, j'ai eu un morceau de pizza, un petit Oreo ou un macaron, piment, fraise. Ok, on est bien là. On est bien là. Il y a de la bouffe pour Tom, c'est cool. Au moins, il y a de la variété, tu vois, dans la nourriture. Et nous avons 5 savons fusées. Quelle est cette merde? Je ne sais pas ce que c'est. Ok, bon, Tom, mais lui, je sais pas ce qu'il fait là. Lui, apparemment, il veut manger aussi. Apparemment, voilà. Ça fait quoi? Ok, si je le touche, il s'écrase. Tom, en gros, là, tu peux répéter ce que je dis? Apparemment, voilà. Ça fait quoi? Ok, si je le touche, il s'écrase. Tom, en gros, là, tu peux répéter ce que je dis? Mec, c'est vraiment incroyable. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Ah, c'est Tom qui le dit, hein, c'est pas moi. Alors, c'est quoi si je clique là-dessus? Voiture sélectionnée, let's go. Ok, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mini-jeux, je crois, dans Tom. Il y a pas mal de mini-jeux à faire. Alors, écoute, on va faire une petite voiture rouge, là, regarde. On va peindre ça, mon ami. Ah, tu vois, elle va être incroyable. T'as l'impression d'avoir une petite Ferrari, là. Ok, les ronds, on va les peindre comme ça. Let's go. Et lui, on va le mettre en jaune. Parfait, on dirait Amtaro comme ça. Ah non, attends, le soleil en jaune aussi également. Hop, parfait. Lui, on va plutôt le mettre en orange. Oh non, allez, allez. On va faire genre une sorte, on aurait un Pokémon comme ça. Si on fait, voilà, la moitié comme ça et un petit peu d'orange ici. Alors les nuages, eux, on va les mettre en bleu comme ça. Et voilà, let's go. Eh, magnifique le dessin ou pas? Attends, ici, il y a encore une petite partie. Ou est-ce que je la laisserai comme ça? Je pense que... Oh, en bleu. En bleu, ça peut être sympa. Un petit bleu foncé. Voilà, magnifique. On dirait la voiture de Oui Oui. C'est parfait. Attends, là, j'ai fait un petit peu les conneries là. On va mettre ça ici en jaune. Là, on est plutôt pas mal. On va juste gommer ce que j'ai fait là derrière ici. Et voilà. Voilà le travail. Vous en pensez quoi de mon dessin? Est-ce qu'il est magnifique ou est-ce qu'il est pas magnifique? Non, par contre, waouh, il est sale là. Par contre, il faut le laver. Comment je fais pour emmener Tom à la douche? Attends,
Non, pas surtout pas dans le lit là, t'es dégueulasse mon pote. Oh non mais mec, arrête de faire des conneries putain, il est déjà insupportable. Voilà, 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 je regrette déjà d'avoir adopté Tom. Non, je dois vraiment le doucher là par contre. C'est pas dans la salle d'or. Ah si, 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 regardez, regardez. Hop, est-ce qu'il y a moyen de le mettre dans le bain? Oui, il y a moyen. On va prendre le savon gratuit, hein, parce qu'actuellement on est pas très riche. Hop, voilà, magnifique. Ensuite, on va prendre ça. Et nous allons doucher le petit Tom. Le premier chat que je vois qui n'a pas peur de l'eau, hein, bizarrement. Ah, il a une vieille morve dégueulasse. Mais comment je fais pour enlever ça? Ok, il ronronne. Et toi, tu fais quoi là? Toujours suivre Tom? T'es bizarre toi un peu. Non, 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 ne répète pas ce que je dis. Attention, ne répète pas ce que je dis, mec. Il y a une pharmacie ici, apparemment. Il est malade. Du coup, comment je pourrais le soigner? Là, je prends ça du miel. Ok. Voilà, hop là, tu vas manger ça, comme ça il va guérir le petit frérot là. Voilà, nice, il est bien. Et en faisant tout ça, je pense que du coup, ça me donne de l'expérience. J'ai désactivé les trucs de pub, donc je pourrais pas ouvrir ce truc là. J'espère que c'est pas un truc incroyable. Hein. Donc on va le nourrir parce que là il commence à avoir faim, j'ai l'impression. Du coup, on va lui donner une pomme. Voilà, on va continuer de lui donner de la nourriture. Toi aussi tu veux manger, mec? Oh non, mais j'aurais peut-être dû donner la pizza à Tom en vrai, il va être dégoûté, non? Regarde, je te donne une orange, mec. Lui, il veut des carottes. Je vais voir dans le frigo là-bas. Il y a des carottes, justement. Je vais acheter des carottes. On va acheter un peu de fromage. C'est quoi? On fait les courses. Allez, on achète tout. Comme ça, c'est carré. On peut aller voir aussi là. Là, il y a pas mal de trucs intéressants. Là, ça s'achète avec du coup des étoiles. Ça, ça a l'air tellement bon. Même moi, j'ai faim. Donc, je peux te dire que le petit Tom là, il va se la régaler, mon gars. Ok, la pizza. Ok, c'est bien pour l'instant. On a fait les courses. Je vais leur donner à manger, lui. Attends. Non, 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 non. Juste à droite là. Lui, je vais leur donner à manger. Hop, voilà. Et Tom, il va prendre son petit dessert. Let's go. Là, il est bien. Là, niveau nourriture, il est à fond les ballons. Par contre, il va aller faire un petit tour aux toilettes. Regarde. Hop, tu vas aller te mettre là. Et il va aller. Wow, wow, Tom, t'es un gros dégueulasse, mec. Ah, il lâche ses meilleures caisses comme ça, lui. Il a cru que j'étais son père. Bah oui, en fait, je suis un peu son daron. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, je pense qu'il va peut-être. Attends, c'est quoi ça? Ah, il doit s'amuser en fait. Il a une jauge d'amusement. Oh, trop bien, ça, c'est des mini-jeux qu'on va pouvoir faire. Attends, train fantôme, c'est quoi? Mec, c'est génial. On a plein de mini-jeux, c'est trop cool. Ok, attends, il y a sûrement un bail de récupérer les ballons. Voilà, récupérer les ballons. Hop, hop, hop. Parfait. On va récupérer ça. Ça, ça va augmenter la jauge du voyage, je pense. Ça va, c'est assez simple comme jeu en vrai de vrai. C'est enfantin, comme on dit. C'est enfantin. Donnez-moi un jeu un peu plus complexe là. Hop. Après, attends, je parle, mais ça tombe, ça va être compliqué. Hop, au fur et à mesure qu'on va avancer. Ok, les fantômes, on évite, on évite, on évite. Là, je suis bien parce que je prends vraiment un maximum de trucs d'avion, là. Hop, hop, parce qu'elle était pas très remplie, je trouve, notre jauge d'avion. Et comme ça, ça nous permettra peut-être de voyager dans d'autres îles pour la suite. Ok. Ça se finit quand, par contre? Ça s'accélère un peu, j'ai l'impression. Ah, c'est quoi ça? Wouh, ok, ok, ok. Oh non, 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 non. Non, les gars, les gars, les gars, c'est chaud là, par contre. Aïe, 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 c'est chaud, c'est chaud. Finalement, je sais pas si je devais le prendre, ce truc là. C'est pire que mieux, j'ai l'impression. Oh putain, merde. Ah là, j'ai fait des conneries, j'ai fait des conneries, mais ça va, j'ai encore 3 cœurs de vie, donc on est plutôt pas mal. Voilà, ça devient chaud pour moi, j'ai plus qu'un cœur, les amis. Là, j'ai eu un moment un petit peu compliqué, mais ça va, en vrai, j'accepte mon sort. Parce que là, mine de rien, on a quand même récupéré, mais voilà les points, voilà les trucs d'avion, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu farmé. Donc on est vraiment plutôt pas mal. Regarde, hop, on prend encore tout ça là. Oh là 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 là, oui, là, c'est clairement le chemin du paradis, ça, dis-moi. Regardez-moi tous ces trucs là qu'on a. Hop, 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 hop. Bon, ok, c'est bon. Il fallait mourir au bout d'un moment. Mais là, c'est bien. Là, on est vraiment bien. Parce que je pense que Tom, il s'est vraiment bien amusé. On a récupéré 55 trucs multipliés par 5. Ah ouais, ça augmente bien la barre. Mais pas tant que ça. Je m'attendais un petit peu plus. Ok, on va tester un autre jeu. Tom Cupidon, c'est quoi ça? Oh, trop bien. Hein, c'est un truc avec une cible et tout. Attends, j'ai capté, j'ai capté. Regarde, on va. Hop, tac. Voilà, let's go. Ensuite, boum. Merde, attends, merde, je viens de briser. Ok, oui, non, il faut pas toucher les autres flèches. Ça va, ça a l'air d'être assez simple en vrai. Et elle, c'est pas Angela, c'est elle, la fameuse Angela. Elle aussi, il y a eu des bails bizarres par rapport à elle, non? Ok, tour 3. Let's go, les flèches, les flèches. Magnifique, magnifique. Ça a l'air d'être assez simple, hein. J'ai l'impression que tous les jeux de Tom, là, c'est vraiment assez simpliste, hein. Hop, et hop, et hop. Voilà, ok, vous savez quoi là, je vais faire exprès de perdre. Juste pour qu'on puisse découvrir les autres trucs. Regarde, hop, on fait exprès de perdre. Tac, 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 tac. Voilà, de toute façon, on a augmenté encore un petit peu notre truc d'avion là. Hop, regardez, ça va normalement se mettre en bas à droite, multiplié par 5. C'est parfait tout ça. Et nous allons maintenant tester. Balle roulant, super ballon, tir glacé, ça a l'air bien ça. En plus, c'est vraiment genre dans le thème, tu vois là, on est en décembre et tout, la neige, tout ça, tu connais les fêtes. Ok, ça, ça a l'air sympa ça. Attends, tu dois viser les cibles en gros. Ok, donc on vise les briques ou les blocs. Là, on va prendre ça aussi. Je sais pas si ça me rajoute des balles. Je crois que ça me rajoute des balles de faire ça, de toucher les balles ici. Donc là, on va faire ça. Et s'il y a moyen de taper des petits rebonds là, moi je dis pas non. Regarde, hop, tac. Oh là là, incroyable, incroyable. Oh, ça a l'air trop bien ça. Oh là 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 là. Clairement, c'était le coup à jouer, les amis. C'était clairement le coup à jouer. Ok, parfait. On va s'empresser, tac, de récupérer tous les trucs. Là, on va aller là, regarde. On va taper là dans le coin. Bam, ça rebondit, magnifique. Attends, si je tape là, voilà, ça rebondit. Je récupère d'autres balles. Oh oui, parfait, parfait, parfait. Ça, c'est pas mal, ça, ce qu'on a fait là. On va recommencer d'ailleurs. Hop, nickel. En fait, c'est ça que ça correspond au nombre de fois on doit les toucher, c'est ça, ou au nombre de billes qui doit toucher.
ricochet, genre le nombre de coups. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, on va taper là-dedans. Par contre, voilà, c'est bon. Heureusement que j'ai assez de munitions. Parce que là, c'était un petit peu la merde là. Hein. Et là, je vais perdre par contre. Là, je vais commencer à perdre de ouf. Ah, nice. J'ai récupéré les avions. C'est parfait parce que j'allais mourir de toute façon. J'allais clairement mourir. Donc, magnifique si j'ai réussi. Ah, voilà, j'ai perdu. Ok, c'est pas grave. J'ai récupéré assez de trucs d'avion. Et je pense que Tom, il s'est assez amusé en vrai. Hein. Oh putain, on y est presque. Attends, je sais pas si je l'ai au maximum. On va se barrer. On va voir si Tom est content. Ok, Tom, au niveau amusement, est pas mal. On vient de passer le niveau 3. Ça, c'est parfait. Ok, nice. Et on a un coffre ici. Ah non, c'est une balançoire. Ok, pour balancer Tom. Ok, pour qu'il puisse continuer à s'amuser. Par contre, je vois que Tom commence à avoir de plus en plus de fatigue. Il commence à être fatigué. On va juste aller voir dans l'avion ici. Voler. Termine dans 3 jours. Attends, c'est des jours réels là ou bien c'est comment? Ah ouais, c'est le genre de jeu à mon avis. Ok, les étoiles, ça te permet d'aller plus vite et tout. Mais je vois, ok, c'est un jeu qui prend grave du temps en fait, Tom. Je savais pas. Je savais pas du tout. Mais là, on a déjà été ici. On avait déjà récupéré le truc là. À moins que... Ouais, ouais, c'est ça, non? Ah non, 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 récupère d'autres trucs, ok. Des pièces, des étoiles. Oh, une visière de sport, trop bien. Eh, il va être méga stylé, là, avec le maillot et ça, là. On va aller sur la petite casquette, là. Là, il est vraiment en mode sport de fou. On va prendre une petite photo, d'ailleurs, regarde. Hop là, let's go. Attention, petite photo, magnifique. Incroyable, toujours avec la petite souris, là, qui est devenue verte. Bah, c'est clairement la souris verte. Du coup, on a ça aussi. Il y a plein d'autres trucs, en fait, à débloquer. Putain, ce poids, c'est pour être Luffy de One Piece. Ok, il peut être un roi, Robin des Bois. Ok, il y a pas mal de trucs. Mais là, je t'avoue que niveau étoile, je suis pas trop bien, tu vois. Du coup, ouais, pour aller là-bas, par exemple, sur l'autre île, je fais comment? Est-ce que je peux y aller? Là, on récupère un autre coffre. Ok, des fruits, un truc qu'on a déjà eu, je sais pas trop ce que c'est, des pièces, des étoiles, et nous avons des yeux de chat. On a eu des nouveaux yeux pour Tom. Ok, bah voilà, allez-moi ce beau gosse là. Eh, il est vraiment stylé comme ça. Hein. Ok, allez hop, on vient en arrière du coup, et je vais voir si je peux aller sur l'île là-bas. Eh, bah non, je crois que je peux pas en fait. Non, je dois d'abord aller sur cette île là. J'ai pas assez de trucs d'avion. Ah merde, mais non, dommage. Ça, c'est quoi ça? What? Quel est ce truc? What? Il y a plein de trucs dans ce jeu en vrai, hein, mine de rien. Tu t'ennuies pas sur un jeu comme ça, ok? Il y a un truc de jetpack. Ah merde, je dois le mettre dans le milieu du truc. Oh, mais ça va être méga chaud par contre. Ça va être méga chaud. Ah là 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 là, attends, attends. Un peu plus à droite, s'il te plaît. Un peu plus à droite. Voilà, parfait, parfait. On le laisse tomber. Putain, j'y arrive pas. Clairement, c'est trop difficile. Parce qu'en fait, là, je joue à la souris. Du coup, c'est un peu compliqué. Je suis pas de mytho. Voilà, bah là, clairement, voilà, voilà comment ça finit. Ok, on va revenir en arrière ici. Par contre, il y a plein de potes là. On peut débloquer au fur et à mesure avec des étoiles. Flip, il coûte 100 étoiles. Venez, on débloque Flip. Let's go. Merci Flip, c'est quoi ça? Ok, c'est pour faire des pianos. Attends. Vous avez reconnu frère Jacques. Voilà, il aime bien, apparemment il aime bien mon son, hein, très clairement. Hop là, ok, on a un rasoir aussi bien évidemment si on veut les raser. Alors attention là, hop, petit passage chez le coiffeur. On va te faire une coupe mon pote. Ah, une coupe, tu vas t'en souvenir. Ah bah d'accord, très bien, on le rase à blanc. Non, juste on lui laisse une petite crête ici, magnifique. Est-ce que t'es content? Non. Hop, voilà, c'est bon, tu iras te débrouiller hein, pour la prochaine fois. Moi, c'est bon, je suis pas ton coiffeur attitré, mec. Et ah, de t'amuser avec ça, la bordel de fesses, là. Bon, je pense qu'il est temps de ramener Tom, hein. Hop, Tom au dodo. Et je pense que là, attends, quoique, il y a des étoiles là-bas, là. Ça signifie quoi, ça? C'est parti, on prend l'avion et on se taille. Moi, je pense qu'il est temps qu'il aille dormir, hein, le petit frérot, là, avec notre magnifique dessin, hein, qui est toujours présent derrière. Bonne nuit, tout le monde. Eh bah bonne nuit Tom. Eh bah écoutez, c'était vraiment cool. Je savais pas que Tom, il y avait plein de choses à faire comme ça, plein de mini-jeux. Donc c'est vraiment un jeu. En fait, c'est plusieurs jeux dans un jeu. Donc c'est un jeu avec lequel tu peux vraiment passer pas mal de temps. Et arrête de répéter ce que je dis Tom, s'il te plaît. Il se fout de ma gueule, hein, très clairement. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. On se retrouve nous très vite pour de nouvelles aventures. C'était Frit, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.